dans les toilettes de l'école, on trouve des souris. Et attends, il se passe quoi avec cette maîtresse? Là, en classe, elle pète, elle se cure le nez. On va devoir te changer d'école. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Stop. Et on était à l'école, il y avait trop de souris. Oui. Salut! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage! Non mais, Lirose, Lirose, ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Allez, salut à tous les amis. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, mais qu'est-ce qui se passe, Lirose? Tu voulais te cacher, c'est ça? Non. Parce que là, Lirose revient de l'école, comme vous voyez, elle a ses baskets, elle avait son manteau, son sac. Mais je pense que t'as fait un peu n'importe quoi, là. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu voulais te cacher derrière la porte? J'ai juste un petit truc à dire. Qu'est-ce que tu as à dire encore? Dans les toilettes! Dans les toilettes de l'école, on trouve des souris. Il y a des souris dans l'école? On a plein de devoirs, en plus on a des devoirs sur les souris. Non mais t'as quoi à faire comme devoir? Devoirs sur les souris. Non mais combien? Parce que tu me dis plein de devoirs. Mais si c'est que un exposé sur les souris, c'est pas 10 devoirs. 10 devoirs. Et le pire c'est que c'est sur des souris. Non mais c'est n'importe quoi, Sally Rose. Et c'est qui cette nouvelle maîtresse? Parce que là, pour ceux qui savent pas, là à l'heure où on filme, on est vendredi. Et Sally Rose vient de revenir de l'école. Et attends, il se passe quoi avec cette maîtresse? Et elle des devoirs déjà en classe, elle pète, elle se cure le nez. C'est vrai? Oui. Elle fait ça en classe. C'est Madame Chauvette. Elle pète en classe. Oui. C'est horrible, Sally Rose. Elle pète en classe, elle se cure les nez et elle s'assoit sur sa chaise comme ça. Non mais c'est n'importe quoi, Lirose. Alors là c'est la première fois qu'on rigole d'une maîtresse comme ça. Surtout faites pas ça chez vous, c'est pas bien de se moquer. Mais là c'est n'importe quoi. On est marre de cette maîtresse. Non mais Lirose, on va devoir... En plus, on trouve vraiment des souris dans les toilettes. Non mais Lirose, on va devoir te changer d'école. Là c'est une école qui est pas propre et tout. Madame Chauvette là. Non mais c'est n'importe quoi. Alors et en plus surtout les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et mettre en commentaire vos pires histoires de maîtresse et avec le hashtag maîtresse dans les commentaires. Bah, alors là ça nous fait rire, mais en vrai c'est pas drôle. Vous vous rendez compte de l'histoire? Mais c'est vrai. Tranquillement, vraiment, ça m'énerve. C'est la pire histoire de l'année. Comment on va faire? On va changer d'école. Non mais attends, alors là c'était pas pareil au début de l'année. Elle était dans une autre classe. Mais là cette classe c'est du grand n'importe quoi. Il y a plein d'enfants qui sont avec moi, mais... qui se font punir. Là, attends, ils se font punir en plus. Et ils ont juste quoi comme... parce qu'ils aiment pas les souris. Parce que non, dans la classe on a des cages à souris. Non, il y a des souris dans la classe. Oui, non mais c'est n'importe quoi. Alors là si vous avez déjà vu ça les amis, c'est n'importe quoi. Non mais dégoûtant. Je pense qu'on va devoir prévenir notre père là. Mais oui, non mais prévenir, et puis, la directrice. Non mais la directrice elle doit être au courant, c'est pas possible. Non, elle est pas au courant parce que ils sont dans une armoire bizarre. Non mais c'est trop bizarre ça les amis. Et en plus tu travailles sur quoi? Les souris. Non, tu travailles pas que sur les souris. OK, les rats aussi. Non mais quelques fois des maths et du français. Non mais c'est n'importe quoi en fait, elle est fan de souris je pense. Non mais c'est quoi cette histoire? Ouais, donc là les amis, on va prévenir notre père et surtout ne vous inquiétez pas, on va aller à l'endroit où il y a les souris pour tout vous montrer. Donc restez bien jusqu'à la fin. Parce que c'est Madame Chauvette. Non mais c'est Madame Chauvette, non mais c'est n'importe quoi. Bon allez, donc là attends, montre tes devoirs. T'as vraiment des devoirs sur les souris là? Bah oui. Et elle donne quoi comme punition? Parce qu'après elle donne punition, recopier 50 fois le mot souris. Ah oui, il y a que des trucs, il y a que des trucs sur les souris. Mais ça parle de souris là. Bah oui, ça parle de souris. Et les gens doivent copier 50 fois le dictionnaire. Oui, où il est marqué souris. En entier? Oui. Et ça prend des heures ça. Bah ça prend même des mois. Des jours et tout. Bon allez, c'est n'importe quoi. Là on va prévenir notre père et on va aller dans cette école, d'accord? Dites-nous les abonnés, c'est vraiment n'importe quoi. Bon allez, on y va. Et toi, je veux plus que t'ailles à l'école dans ces conditions. Plus d'école de souris, plus d'école de je sais pas quoi. Allez. Le père c'est qu'elle dit qu'elle va nous emmener à une exposition. Ouais, de bon allez, on s'en fout des souris, on arrête de parler de ça parce que c'est n'importe quoi. C'est trop bizarre cette vidéo qui parle de souris là. C'est n'importe quoi. Bon allez. Donc là, on va poser ça et on va chercher notre père. A tout de suite. Attends, vérifie ton sac, ça tombe, il y a des souris à l'intérieur. Oh, ah, ça serait horrible. Ah, il y a une souris dans ton sac. Il doit y avoir une souris dans ton sac. Attends, regardez. En plus, le père, c'est qu'il y a des souris qui se baladent dans la classe. Bon, allez, c'est n'importe quoi. Bon, il y a un poil de souris. Ah, c'est horrible. Bon, allez, à tout de suite. Bon, allez, viens, rentre parce que là. T'as fait tes devoirs, les Lirose? Oui. Oui, parce que là, alors là, l'heure est grave. Il s'est passé des trucs. Il s'est passé des trucs très graves à l'école. À l'école de Lirose. Alors vas-y, raconte. Tout est passé, ça m'étonnerait qu'il puisse se passer quelque chose. Non, si. Alors, ma maîtresse. Avec ce que vous faites. Vas-y, Madame Chauvette. Qu'est-ce qu'elle a fait, Madame Chauvette? Oui, Madame Chauvette. A un élevage de souris dans la classe, se cure le nez en classe, pète en classe. Voilà, et surtout. Et s'assoit comme ça sur sa chaise. Et surtout, il y a plein de souris dans la classe, tu te rends compte? C'est normal. Elles sont dans un. Non, elles sont dans une. Ils se baladent dans la classe.
Ouais. Parce que vous avez cassé la classe. Non, c'est n'importe quoi. Ils se sont enfuis alors. Il y a plein de souris dans la classe et ils savent même pas quoi en faire. C'est du grand n'importe quoi. Mais en plus, Rose, elle arrête pas de trouver des poils de souris dans ses affaires. Et même, elle donne des punitions. Ah oui, effectivement. Et en fait, quand elle donne des évaluations, c'est sur les souris, des devoirs sur les souris. Il y a les souris alors. En plus, elle adore les souris. Et en plus, Rose, elle passe sa vie à faire ses devoirs. Bon, il y a pas que Disneyland, sur. Il y a pas que sur les souris. Et en plus, elle arrête pas de faire ça. Non, mais ça me fait rire. C'est pas drôle quand même. Quand même des souris. Et il y en a combien alors qui se sont enfuis? Au moins. Ouais, mais dans toute l'école, c'est n'importe quoi. Il y a plein de sans souris. Ouais, et en plus, il y a même des rats. Il y a même des rats. Alors, elle le sait pas, évidemment. En plus, apparemment, il y en a plein dans le sac de Lily Rose. On a même pas, on a même pas osé ouvrir. Non, mais Lily Rose, tu penses qu'on va faire comment là? Mais je sais pas comment on va faire, moi. On va devoir. On va devoir la changer d'école. Allez, ouvre le sac. C'est sûr, ça peut aller dans les sacs et tout. Moi, je suis sûr que ça peut aller dans les sacs. Ça tombe, il va en ramener chez nous. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Stop! Arrête! C'est dégoûtant! Attends, c'était dans. Arrête, non! Arrête, ferme le sac! Regardez! Je veux pas. Non, mais c'est horrible, je veux pas voir ça, moi! Lâche le sac! Lily Rose, mais c'est n'importe quoi, je peux pas filmer ça! Lâche! Stop! Alors là, désolé, les amis, on n'arrive pas à bien filmer, donc on va arrêter. Enfin, on va pas arrêter la vidéo, hein! Vous inquiétez pas. Je l'ai lâché, elle est quelque part. Ah, mais la souris est partie chez nous. Punaise, c'est à cause de ton école, mais ça. Vous vous rendez compte? Non, c'est pas possible. Arrête, stop. Non, pas, on va essayer de réparer ça. Parce que là, il y a une souris chez nous à cause de cette école. On va devoir te changer d'école, là. Encore? C'est pas possible. Non. En plus, la souris, c'était une souris bizarre avec plein de poils et tout. Ouais. Je pense que c'était même un rat. Non, c'est pas possible. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'école pour essayer de voir et demander au directeur, d'accord? Alors cette histoire, elle est super drôle pour vous, je pense, hein, mais pour nous, c'est un. Mais c'est trop bizarre aussi. J'ai jamais vu un truc comme ça. Pour nous, c'est pas très drôle, mais pour vous, ça doit être super drôle. Bon allez, prends ton sac quand même parce qu'on va leur laisser. J'ose plus. Bon allez, on va leur donner le sac, même si la souris, je sais pas, il y en a peut-être d'autres. Vas-y, ferme le sac. Moi, j'en veux plus. Allez, terminé. On va leur laisser le sac. On leur donne tout. Allez, ouais, on leur donne toutes tes affaires. Ton cahier, tu le reprends. Ton cahier sur les souris, ça nous intéresse pas. En plus, ils nous ont fait coller des poils de souris sur une page. Ah ouais, c'est dégoûtant. Allez, viens tout de suite. Okay. Et tu viens aussi ou pas à l'école? Écoute, ouais, je vais venir parce que c'est bizarre cette histoire de souris là. Non, mais en plus, attends, ça fait combien de jours que t'es dans sa classe en plus? Deux jours. Bah, ça fait. Deux jours. Maintenant, on va pas y aller maintenant. Si, on va y aller maintenant. Il y aura personne. Si, il y a le directeur qui habite y a à l'école. Donc, là ouais, le directeur habite bon, là, on donc on y va. Allez, à tout de suite, les amis. Donc là, on va voilà. En direction de l'école. Alors, ouais, bon, donc, c'est normal. Il est un peu noir. Hein. Bah, c'est normal, il commence à faire noir parce que l'hiver approche, même si on est encore en été. Donc, les jours deviennent de plus en plus longs. Oui, donc voilà. Donc, on est obligé d'y aller maintenant. Et vous inquiétez pas, on va vous montrer les souris, ok? Oui, vous inquiétez pas. Alors là, on va. Si on peut, hein. Non, c'est sûr qu'on va les montrer. Donc allez, à tout de suite. L'école est juste là, comme vous pouvez le voir. Vous commencez à avoir l'habitude. Et on se retrouve tout de suite. Punaise, t'es là? Papa. Tu vas nous aider à rentrer parce que là, il faut qu'on leur montre les souris. Hein. Oui. Bon, allez, à tout de suite. Allez, viens. Donc là, on va frapper. J'espère que le directeur nous laissera entrer. Allez, à tout de suite, les amis. Il y a trop de souris, on a été à l'école, il y avait trop de souris. Mais oh là là, mais je vais te changer d'école. Je crois que vas changer d'école parce que. Mais comment là, on va comment on non, peut mais attends. Là, j'espère qu'on a filmé quelque chose parce que je sais pas si on a pu les filmer là. Parce que moi j'ai tenu la caméra, alors je vais vous montrer, elle était comme ça là. Donc je pense que si vous avez rien vu, c'est parce que. C'est parce qu'on peut pas utiliser ce qu'on a montré parce que là c'était n'importe quoi. On a eu trop peur mais des souris. Mais n'importe quoi, mais non, mais c'est là, vous avez les images vraiment. Mais vous avez vu, enfin si vous avez vu. Bah, non, ils ont pas vu, il y avait des grosses souris. Il y avait des rats blancs. Ouais, il y avait des rats blancs et puis la maîtresse, elle était dans sa classe, elle dormait carrément dans la classe et le directeur. Elle était comme ça sur sa chaise. Le directeur, il nous a dit bon allez, je vous crois pas. En plus, elle était avec sa souris. Ouais, donc moi j'en ai assez vu pour aujourd'hui. Je pense qu'on va passer à la bulle magique. À la bulle magique parce que. C'est bizarre. Ouais, c'est n'importe quoi. Je pense qu'elle est partie de la maison. Bon allez, à tout de suite pour la bulle magique. Donc voilà, on va passer à la bulle magique. Donc merci beaucoup à Souris Verte, à Roland, à Joshua. À Josla, à Josula, à Mathilde et à Jason. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur la souris verte. Donc voilà, merci beaucoup. Ah non, j'espère que si vous avez plu, n'hésitez pas à liker. Bye bye. Et surtout, n'oubliez pas de faire du sport.